l'heure que je t'attends. Excuse-moi, j'ai pas vu le temps passer, j'ai complètement oublié. C'est toujours pareil avec toi. On peut pas te faire confiance. Et tout ça pour monter des films de cul. Tu sais très bien que j'ai pas le choix. Là, j'ai presque fini. Encore deux plans à monter, puis je rentre, c'est promis. Je te crois plus. Bon, ça va, excuse-moi. T'as vraiment un métier de merde. Quoi, un métier de merde? Et toi, c'était ton rêve d'être hôtesse d'accueil? Merci. Je m'en souviendrai. Oh, excuse-moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je me casse. Ben vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? Allô? Allô? Tu devrais faire du cinéma. Le studio de montage. C'est juste là, mais je suis le seul monteur image et là je rentre. Alors excusez-moi monsieur, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous parler. Monsieur Claude Chabrol. Vous savez, je suis vraiment heureux que vous puissiez monter ce petit film ce soir parce que je pars demain à Rome. C'est le premier film que j'ai réalisé. On l'a jamais terminé. J'étais jeune, j'avais volé la caméra. Enfin, volé. J'ai fini par la rendre. J'étais très amoureux d'une fille et je ne savais pas comment l'approcher. Vous savez, au début, on fait un peu des films pour ça. Alors, je lui ai dit que je voulais qu'elle joue pour moi. Elle avait 22 ans. J'ai rendez-vous avec elle demain à Rome. C'est la première fois que je la revois. Depuis 35 ans. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Oui, oui, je vous en prie. Le progrès. Non, c'est par là. Je vous en prie.
Elle n'avait jamais pris de cours de théâtre. Elle avait peur de ne pas savoir jouer. Je lui avais dit, répète tes scènes dès que tu peux, entraîne-toi. Sors, va dehors, dis ton texte aux gens dans la rue. Je me souviens, elle s'est entraînée toute la matinée. C'était un copain qui m'avait écrit le scénario. Moi, j'étais nul. J'étais timide et maladroit. Maintenant, elle est devenue une si grande actrice. Regardez ça. Regardez comme elle est belle.